Bonjour tout le monde et bienvenue dans Eerie, un jeu d'horreur qui se dit d'une nucléaire et on va devoir comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur de ces bâtiments. Je ne connais pas tout ce qu'on le découvre en même temps. Par contre, ce qui me surprend, c'est un jeu qui tourne sur Unreal et qui, comme vous pouvez le constater, tourne extrêmement bien sur un PC, on va dire, moyenne gamme. Les graphismes sont super, la stabilité est vraiment nickel. Les ne sont pas mauvais du tout. Et voilà, nous voici partis donc dans cette aventure que je ne connais pas du tout, du tout, du tout. Donc je vois qu'il faut récupérer des documents qui sont malheureusement... Que se passe-t-il? Oula, un système d'alarme. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Il faut que je fasse un passage. Je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Ah, donner un coup de bombe, comme ça, par deux. Je crois que les bombes en fait sont faites pour se repérer. Parce que je comprends bien. Moins que ce soit un système de défense. Je ne m'explique pas. Donc c'est par espace. Et ça réagit tout de suite, il réagit très bien. Franchement, il a l'air excellent. Je ne sais pas du tout où je dois aller. Et déjà, je ne suis pas tout seul. Ah, enfin. Le calme revient et ça, c'est une bonne chose. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je m'engouffre dans l'inconnu. Donc, je ne sais pas du tout de quel côté je vais. Je vais découvrir en même temps que vous. Donc, ce jeu s'appelle Eerie. Hein, et je le répète, il se déroule dans une usine nucléaire. Et visiblement, donc voilà, je ne suis pas tout seul, donc j'espère que la créature va pas traîner tout de suite là. J'espère qu'elle va pas se mettre à mes trousses maintenant que j'ai un petit peu le temps de le découvrir quand même. Par contre, graphiquement, c'est une perle, j'adore. Donc, je vais passer par là-bas. Je ne sais pas du tout où je vais. Je continue. Alors vous avez peut-être entendu une notification, hein, c'est un son, c'est les notifications qui arrivent sur mon ordinateur. Malheureusement, je peux pas les enlever. J'en suis désolé. Donc je continue. On a l'impression qu'on entend un chat, qui est assez curieux, mais... Super bien fait quand même, hein, magnifique, hein. Une petite nuée de chauves-souris. Un long couloir, pas très rassurant, donc je vais... Bon, j'ai pas trop le choix. Je vais passer par là. Ça ne s'ouvre pas. Visiblement, quelqu'un est enfermé dans cette pièce. Qu'est-ce que c'est? C'est quand même assez angoissant, hein, ça fout les jetons quand même. Bon. Alors pourquoi on entend ce chat? J'ai l'impression que c'est un chat, hein, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, tiens, un cadavre de chat. Méfiance, méfiance. Allez, je progresse tranquillement. Alors il marche très vite, hein, c'est pas mal non plus. C'est vrai que le déplacement est assez rapide. Très détaillé, le jeu est très détaillé, les décors sont quand même magnifiques. Ça m'a l'air d'être un jeu quand même extraordinaire. Allez, je vais
voir ce qui se passe par là. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une clé. Une clé, évidemment, que je n'ai pas. Bon, ben, je ne sais pas du tout. Alors, une petite note. Alors, je ne prends pas le temps de les lire, hein, puisque je ne fais pas le jeu pour l'instant. Là, je vous le fais juste découvrir. Je verrai ça le jour où je me déciderai à l'attaquer, évidemment. Donc là, je progresse tranquille. Je ne sais pas du tout de quel côté je dois aller. Allez, je prends ce long couloir, en espérant qu'il m'amène bien quelque part. Bon. Voilà. Une porte, un bureau, visiblement. C'est quand même très joli. Vraiment pas mal du tout. Hein? Qu'est-ce que c'est? Bon, rien en vue, pour l'instant. Je ne me sens pas trop rassuré. Qu'est-ce que je peux faire? Pas grand-chose. Ça marche pas. J'ai l'impression que quelque chose... Allez, je reste planqué là, oui. Je fais preuve d'une grande lâcheté. Je n'ose pas trop sortir. En même temps, je suis dans un cul-de-sac, donc je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être quand même me décider à avancer, hein. De manière, ça sert à rien de rester là. Les ordinateurs sont... Ah, une petite note. Là, là, d'accord. Que fais-je? Bon, allez. Je prends mon courage aux deux mains quand même. Et je vais voir si quelque chose traîne dans le coin. Alors, regardons. Visiblement... Ah oui, en effet, il y a des petits bugs. Bon, ce qui est... Ah, tiens, un inconnu, qu'est-ce que c'est? Ah bah... Ah, il n'y a pas de son. La créature est moche, mais... bon, ils auraient pu mettre un peu de son quand même. Ouais, je comprends pas trop, là. Ah, ce qui est bien, par contre, c'est qu'il ne nous faut pas recommencer depuis le début. Ça, c'est pas mal. C'est une bonne idée. Mais est-ce que la créature est encore... dans le coin, visiblement. Oui, parce que je l'entends. Alors, je vais essayer de... Qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, là-bas. La voilà, la voilà, voilà. Donc, je vais essayer de me barrer tranquillement. En espérant qu'elle me suive pas. Ben si. Ah, flûte, la voilà. Taillot. De toute façon, je vais n'importe où, hein, je connais pas l'endroit. Donc, ah ben, je me suis dans les toilettes. Ah, c'est l'idéal. Voilà. Ah ben, je sens que c'est la fin. Et voilà. Eh ben, les amis... Voilà, je vous ai fait découvrir un petit peu Eri, hein, ce jeu qui se déroule dans une usine nucléaire. J'espère que ça vous a plu. Et je vous tiens au courant si jamais je me décide à le faire dans sa totalité. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt, les amis. Bye bye.